Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo analyse de portefeuille. Donc on va tout simplement analyser le portefeuille d'un abonné de la chaîne. Si toi aussi tu veux que j'analyse ton portefeuille crypto et que je donne mes observations sur tes investissements, ça se passe en description, tu as un lien avec un Google Form, tu peux le compléter et si ton profil est suffisamment complet, s'il est suffisamment pertinent et que tu fournis assez d'informations, alors tu as toutes tes chances pour être sélectionné et passer dans la prochaine vidéo de cette série. Donc c'est parti, aujourd'hui on a affaire à un abonné qui m'a partagé son portefeuille et qui est investi à 95% de la hauteur totale de son patrimoine en crypto-monnaie, donc c'est juste monstrueux. Son portefeuille est vraiment plutôt costaud, assez solide, c'est ce qu'on va aller voir dès maintenant. Donc voilà, je t'invite à participer, tu verras, c'est top, moi ça me fait du contenu, et toi ça te permet d'avoir un retour, un regard de ma part sur ton portefeuille, et aussi de la communauté, parce que voilà, je pense que vous allez échanger entre vous en commentaire, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc c'est parti, Thomas, 29 ans, all-in en crypto-monnaie à 95%. Donc voilà, il a 29 ans, il s'appelle Thomas. Donc c'est parti. Alors, donc Thomas, il est en couple, en CDI, dans un supermarché à Bruxelles avec un salaire de 1 600 € par mois. Donc déjà, on est dans une situation assez stable où Thomas a un salaire, donc il peut se permettre peut-être de faire un petit DCA chaque mois en crypto-monnaie. Voilà, on voit qu'il investit en crypto-monnaie depuis maintenant 3 ans. Donc ça déjà, bravo. Bravo à toi parce que tu es là depuis longtemps. Je pense que tu dois faire un DCA à mon avis. Et donc c'est très intelligent. Voilà, c'est un peu la stratégie de mon père de famille, c'est-à-dire qu'on ne prend pas trop de risques. On investit à une échéance régulière dans le temps, une somme fixe. Et puis comme ça, on lisse son point d'entrée et on limite les risques. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'une des meilleures stratégies lorsqu'on n'est pas un trader professionnel et qu'on veut quand même avoir du rendement sur ses investissements. Donc je pense que tu as plutôt une optique long terme. Voilà, quand tu investis pendant 3 ans, c'est que tu es plutôt y a une conception long terme de l'investissement. Voilà, plutôt une stratégie d'investissement passive. Et je trouve ça très très intelligent. Voilà, c'est également la stratégie que j'utilise. Je pars du principe que on est des particuliers, on n'a pas forcément les compétences pour surperformer le marché. Quand on sait que même les traders professionnels ont du mal à le faire, je vois pas pourquoi nous, en tant que petits particuliers, on arriverait à le faire. Donc je pense que c'est une stratégie du moins assez intelligente. Ensuite, donc quel est l'objectif de Thomas avec son portefeuille? Donc il nous vise un 250 000 euros, 300 000 euros de bénéfices. Donc voilà, c'est plutôt honnête. Je suis un peu dans le même cas que lui. Voilà, je vise un bénéfice sur mon portefeuille de 250 000 euros maximum, grand max. Moi, je vise 200K, mais voilà, je me prive pas si je peux taper les 250K. Donc voilà, c'est plutôt ambitieux en tout cas comme target. Donc c'est bien. Au moins, il a une target. C'est très important de se fixer des objectifs. Voilà, ne pas naviguer à vue et avoir un plan d'investissement, surtout en bull run où tout peut aller très très vite. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait et de savoir où on va, tout simplement. Ensuite, prochaine question. Quelle part donc en pourcentage représente la crypto dans le patrimoine de Thomas? Donc je l'ai annoncé en préambule de cette vidéo, mais donc il a investi en crypto-monnaie à hauteur de 95% de son patrimoine. Donc c'est juste monstrueux en fait, c'est quasiment un all-in crypto, il a quasi très très peu d'épargne. Donc je pense que c'est quand même assez pertinent et intelligent de garder 5% sur un livret, voilà, histoire d'avoir un petit fonds de sécurité, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Voilà, je pense que c'est important quand même de garder un peu de côté, mais on peut considérer qu'il est quasiment all-in en crypto-monnaie. Je ne sais pas si à côté il y a de l'immobilier, s'il y a des actions ou pas ou non, mais apparemment non, hein, parce que tu as 95% en crypto. Donc je pense que le 5% restant, à mon avis, ça doit être du fonds de sécurité. Sinon, c'est que c'est un peu de la folie et que tu es un gros dégène, mais voilà, en tout cas, 5% restant. Donc c'est plutôt une prise de risque assez conséquente, voilà. Mais encore une fois, la crypto-monnaie, c'est un levier très très intéressant pour faire fructifier son patrimoine. Et c'est l'un des leviers les plus rapides aujourd'hui, tout simplement. Ensuite, quelle est la répartition du portefeuille crypto? Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser très clairement dans cette vidéo, hein. C'est pour ça qu'on est là. On va s'attaquer au portefeuille de Thomas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a un investissement initial de 10K en DCA. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, c'est plutôt intelligent. Il s'est dit, je vais prendre 10 000 euros et je vais l'investir en DCA. Donc j'imagine que ça fait 3 ans que tu investis 10K en DCA sur la crypto-monnaie, dans la crypto-monnaie. Donc je pense que tu dois être en profit quand même. Voilà, c'est parce qu'il y a eu la grosse jambossière là de début d'année. Tu as dû en profiter, donc bien joué à toi en tout cas. Je sais pas si tu as vendu entre temps par contre, parce que les altcoins ont quand même très fortement corrigé, ils ont presque tous perdu 50-70%. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu avais pris des bénéfices
Ou est-ce que tu as hold tes tokens, auquel cas tu as quand même perdu pas mal de plus-value. C'est ce qu'on va voir en tout cas. C'est parti, on va voir la composition. Alors, première ligne, il a du Tao. En portefeuille, à hauteur de 62% du portefeuille. Donc voilà, clairement, c'est une énorme position. C'est clairement un all-in presque en Tao. Voilà, c'est du 70% en Tao à hauteur de 16 000 dollars. Donc quand même, tu as fait, tu as quand même fait du gros profit rien que sur Tao parce que... Voilà, t'as investi 10K en tout sur ton portefeuille, et là, rien qu'avec la ligne de Tao, t'as surpassé ton investissement initial, donc bien joué à toi. Déjà une grosse plus-value. Donc Tao, voilà, je peux que valider ce projet, moi-même, c'est ma plus grosse position. En portefeuille, voilà, l'intelligence artificielle narrative incontournable de ce bull run, du moins du bull run à venir. Donc voilà, bien joué, je ne peux que valider cette première ligne, même si c'est quand même très très élevé pour le coup dans la part de ton portefeuille, je ne sais pas si tu as pris des profits ou non, mais en tout cas, très grosse ligne. Ensuite, on a du Injective, donc voilà, bravo à toi, c'est un token que j'aime bien aussi, c'est ma quatrième position. Donc voilà, ça c'est dans le secteur du RWA, 44e position il me semble sur CoinMarketCap, et donc ça représente 2 870 €, et donc 12% du portefeuille. Donc là on voit qu'on touche à deux narratifs, donc l'intelligence artificielle et RWA, donc tokenisation des actifs réels. Ensuite, Render, alors anciennement RNDR, à hauteur de 2 350 €, au dollar, pardon. Et donc, ça représente 10% du portefeuille. Donc là aussi, je valide ce projet. Voilà, c'est dans le GPU, puissance de calcul. Ça se rapproche un peu de Nvidia. En gros, c'est un peu le Nvidia de la crypto-monnaie. Et donc, également, très gros secteur d'avenir. Voilà, parce qu'avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est puissance de calcul, ça consomme énormément. Tout ce qui est rendu graphique également pour le cinéma, etc. Tout ça, c'est des projets qui ont pas mal d'avenir aujourd'hui. Moi c'est ma deuxième plus grosse position de portefeuille à titre personnel. Render qui a très très fortement corrigé. Mais donc voilà, également leader de narratif, tout comme Tao, là on a deux leaders de narratif. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant, voilà, je pense que tu prends pas trop de risques avec du Tao et du Render dans le cadre de ce bull run. Ensuite, Caspa à hauteur de 1 550 $, ça représente 5% de ton portefeuille. Alors Caspa, j'aime beaucoup ce projet. Très bon projet. Je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir en portefeuille. C'est vraiment le regret de ce bullrun pour moi. Dans le cadre de cette stratégie pour anticiper le bullrun, je n'ai pas de Caspa. J'en avais, mais je l'ai vendu. Aujourd'hui, il a un prix très très intéressant. On ira voir ça. Si jamais toi, tu veux en prendre un petit peu en portefeuille. Mais donc Caspa, qui a pour but un peu de révolutionner la technologie de Bitcoin, du moins de la moderniser. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite, on a BIM dans le gaming, ok, à hauteur de 330 $. Donc là, nouveau narratif, comme Caspa d'ailleurs. Caspa, je ne sais plus dans quel narratif c'est. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que c'est une layer 2. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, on a deux nouveaux narratifs avec Caspa. Et donc on a du l'intelligence artificielle RWA gaming avec BIM, 330 $. À hauteur de 1,5% du portefeuille, donc là autant dire que c'est des miettes pour le coup. BIM qui a repris un peu des couleurs là, il me semble, ces derniers temps. Et enfin, il me semble que c'est la dernière ligne de ton portefeuille, on retourne sur le RWA avec RSR, Reserve Right Token. Reserve Right, il me semble que c'est ça. Hauteur de 300 $ et 1,3% du portefeuille. Donc là on a de l'intelligence artificielle, du RWA, du gaming. Caspa, je ne sais plus quel narratif c'est. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, si on va checker un peu graphiquement, donc à hauteur du 31 octobre 2024, donc à la date où il a rempli ce sondage, la valeur du portefeuille de Thomas s'élève à 23 100 $. Donc il nous a fait 1x2, voilà, même un peu plus qu'un x2, donc c'est très très propre, bien joué à toi, bravo, je pense que t'es arrivé au bon moment, t'es là depuis 3 ans, tu fais un DCA, tu fais ça intelligemment, t'as des bons tokens, là tous les tokens qui sont là, c'est pour moi un sans faute, peut-être BIM un peu qui est un peu plus compliqué encore, hein, c'est une low cap, il est dans le top 100 de CoinMarketCap, c'est une mid cap. Mais voilà, autrement là, je ne peux que valider quoi. Tao c'est solide, Injective c'est solide, Render c'est solide. C'est Tao, Render, deux leaders de narratif. Injective également qui a du gros potentiel. Caspa qui a un énorme potentiel. Qui est également plutôt un leader de narratif également. BIM qui est plutôt. Qui a du potentiel aussi. RSR qui est plutôt une low cap pour le coup, mais qui peut apporter un peu de dynamisme. Donc, franchement, c'est un très bon portefeuille.
Peut-être la position de Tao qui est un peu trop, qui est très élevée pour le coup. Mais donc si je devais un peu passer mon filtre à portefeuille, là on est diversifié en termes de narratifs. On a plusieurs narratifs, donc avec l'IA, le RWA, le gaming. Donc ça c'est super intéressant. En termes de low cap, mid cap, on est assez diversifié aussi. On a de la grosse cap, enfin on n'a pas de la grosse grosse cap puisqu'il y a forcément il n'y a pas Bitcoin ni Ether, mais on a quand même de la grosse cap avec Tao, Render, Caspa. Qui sont quand même dans le top 50 CoinMarketCap, Injective aussi. Et on a donc de la mid-cap avec RSR, BIM, même de la low-cap, je crois, avec RSR, BIM mid-cap et Injective mid-cap, on pourrait considérer comme une mid-cap. Donc voilà, rien qu'en termes de capitalisation, on est aussi diversifié. Voilà, après, en termes bon, d'allocation, on va dire de management du portefeuille, c'est vrai que Tao représente une énorme position pour le coup. Mais moi, ça me gêne pas trop parce que j'ai vraiment confiance en ce projet. C'est un projet que j'adore également et je pense qu'il peut encore vraiment bien performer. Donc voilà, c'est sûr que 69% du portefeuille, bah, en termes de répartition monétaire, c'est vrai que c'est pas hyper optimal, mais j'estime que c'est un bon token. Voilà, que Tao reste un très bon token, un très bon projet de ce bull run, pardon. Donc voilà, ça compense un petit peu, mais très bon portefeuille. Honnêtement, c'est propre. C'est très propre et je ne peux que valider le DCA depuis 3 ans. Donc voilà, si on regarde un peu la répartition des investissements de Thomas, voilà ce que ça donne, voilà, visuellement parlant. Donc on voit que Tao représente 70% du portefeuille, c'est monstrueux. Ensuite, on a Injective en deuxième position, on a Durender en troisième position, ça c'est trois projets que je valide à fond, j'adore. Caspa aussi que je valide à fond, que je n'ai pas malheureusement au portefeuille, c'est un peu le petit regret que j'ai. Donc je valide, tout ça je valide à fond. BIM, bon gaming, ça pourquoi pas? Moi je pense que c'est intelligent de se diversifier sur un autre narratif, un peu plus en retrait, voilà, qui est le gaming en 2024. Mais en 2021 il était très performant, donc pourquoi pas? Et RSR avec le RWA. Donc ouais, non, franchement très propre, très très propre. D'ailleurs on peut faire un petit tour d'ailleurs sur les tokens du portefeuille. Donc voilà, si on fait un petit bilan, donc là on a Tao qui a bien perf là début septembre et là qui consolide et qui corrige un peu, voilà, comme tous les altcoins de toute façon depuis maintenant quelques jours, depuis tout ce mois d'octobre d'ailleurs, qui a été décevant, très décevant pour les altcoins. Donc voilà, si on regarde un petit peu sur les 7 derniers jours, bah, Tao a du mal. Tao a du mal et commence même à retrouver des prix très très intéressants. Voilà, je pense qu'en dessous, au niveau des 400, c'est grosse opportunité pour acheter du Tao. Ensuite, Injective. Qui est toujours dans la difficulté également, voilà, qui essaye de consolider, enfin qui essaye de, qui consolide, non, mais qui est dans une phase d'accumulation assez intéressante, je pense, pour en reprendre, voilà, c'est une très belle opportunité. J'ai un prix d'achat moyen à titre personnel de 22$. Voilà, là, c'est vraiment une phase d'accumulation qui peut être très très intéressante. Je ne sais pas quels sont tes prix d'entrée, tu me les as pas spécifiés, mais en tout cas, je pense que si t'es là depuis 3 ans, t'as dû avoir des prix très intéressants sur Injective. Voilà, si tu as acheté ici en 2022, enfin si tu as acheté là en 2023, tu as des prix à 7$, je pense que rien que là, tu es en positif. Donc bravo à toi. Ensuite, Render, c'est laborieux, c'est vraiment compliqué. Là, depuis cet été, depuis août, là, on est dans une belle phase d'accumulation. Je pense qu'il y a vraiment un échange, enfin, les acheteurs, il y a on va dire un changement de main entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, je pense que ça a été très fortement vendu. Et là, on peut entrer en position sur Render, peut-être attendre encore un petit peu, voir s'il perd, s'il continue à chuter. Mais là, franchement, Render, leader de narratif, 34e position sur CoinMarketCap. On voit qu'il a eu énormément de force en début d'année, donc je m'inquiète pas. C'est la deuxième plus grosse position de portefeuille à titre personnel. Mais voilà, Render très intéressant à renforcer. Caspa, alors Caspa qui nous fait, voilà, qui revient sur des niveaux de mai 2024. Voilà, grosse opportunité pour entrer sur Caspa également. On voit que voilà, hein, quasiment, il est au même prix que même en début d'année. Je ne sais pas si on se rend compte, en janvier 2024, c'est le même prix quasiment. Donc voilà, gros point d'entrée sur Caspa. Pour ceux qui veulent recharger, c'est un très bon point d'entrée. Moi, je regrette de ne pas l'avoir en portefeuille. Vraiment, c'est un regret. Ensuite, BIM. Alors, dans le gaming, on voit qu'il a montré de gros signes de force. Donc, quand ça, ouais, début janvier, voilà, quand les altcoins ont bien performé, énorme poussée de BIM qui n'a cessé de chuter et là qui est dans une phase d'accumulation également. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, BIM est quand même un projet très solide dans le gaming.
Donc pourquoi pas, et je pense que bah, puisqu'il a perf en début d'année, si on est amené à avoir un bullrun là dans les prochains mois, et bah, je pense que BIM aura sa place dans le narratif du gaming. Et enfin, RSR, Reserve Right Token, Reserve Right tout court. RSR, alors ça c'est dans le RWA, j'en ai pas, j'avoue, j'en ai pas, mais c'est une low cap, 153e position sur CoinMarketCap. Donc voilà, en termes de capitalisation, on est sur du 330 millions, donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Low cap, mais ça peut être intéressant dans le RWA. Et on voit qu'en début d'année, il avait bien perf hein, également. Voilà, vers janvier, vers février, tac. Ouais, il avait explosé. Et voilà, là, c'est plus compliqué. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est un très bon portefeuille en tout cas. En tout cas, voilà, bravo, c'est un très bon portefeuille, je trouve, en termes de diversification narrative, de diversification de tokens. On a des leaders, on a des plus petites capitalisations. Voilà. Tao est une énorme position, mais je c'est un projet que je valide. Donc voilà, très bon portefeuille. Avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je compte rajouter 2K dans les jours suivant les élections américaines. Et je vise entre un x10 à un x12 sur le portefeuille pour atteindre mon objectif de 250-300K. Ok, bah écoute, je te le souhaite et ça peut être effectivement assez intelligent de renforcer avant les élections US. Pourquoi? Parce que c'est un catalyseur indéniable de la hausse du marché des crypto-monnaies tous les 4 ans, c'est un catalyseur du bull run, et donc forcément, si Donald Trump notamment devait amener à être élu, on pourrait penser que le marché des crypto-monnaies explose puisque Donald Trump est tout simplement pro-crypto et qu'il mettrait en place des législations favorables justement au développement et à l'acceptation institutionnelle et politique de cet écosystème. Donc très clairement, je pense que c'est plutôt intelligent. Après, à voir si il ne serait pas opportun de faire un petit DCA avec ces deux cas, voilà, de les investir un petit peu une semaine avant, voilà, dès maintenant, là, sur les tokens que tu as sélectionné, histoire de ne pas faire un one shot et de lisser ton point d'entrée comme tu le fais depuis maintenant 3 ans. Mais je pense que si tu as 2K de côté à investir, ça peut être une très bonne chose. Du moins, si Donald Trump est élu, tu, à mon avis, en récolteras les fruits. Et voilà, x10, x12, bah écoute, voilà, sur 20K, c'est possible. Je pense qu'avec le portefeuille que tu as, c'est fortement possible. Après, Tao, moi personnellement, je le vois plus faire un x5, x4 sur les prix actuels. Pareil pour Render, voilà, il est assez capitalisé, mais Injective, tu peux, ouais, je pense viser un x5, x10, pareil pour Caspa, BIM aussi, RSR, après ça, c'est vraiment des petites positions de ton portefeuille, donc voilà, ça sera pas non plus avec ça que tu feras les plus gros steps en termes de hausse de capital, mais voilà, Render, Tao, tu peux faire un petit x4, c'est sûr, Injective, un x5, x10, et puis Caspa, ouais, il n'y a pas de souci, x10, BIM également, RSR, x10, Donc pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, je te le souhaite. Voilà, évidemment j'accepterai cet objectif en fonction, j'adapterai cet objectif en fonction du bull run. Ok, bien sûr, faut rester flexible les amis. Voilà, c'est pas parce que vous vous êtes fixé une target qu'il faut absolument attendre la target, parce que lui le marché n'attendra pas. S'il baisse, il va baisser. Donc voilà, quand vous avez des profits, prenez-en, ayez une stratégie de sortie, c'est hyper important. Voilà, vous devez dès aujourd'hui savoir quand est-ce que vous allez vendre vos tokens, à quel prix. Voilà, c'est super important de ne pas se faire prendre au dépourvu. Moi-même, j'ai un plan de sortie, je ne vais pas vous le partager parce que j'estime que c'est des objectifs personnels et que ça ne correspondrait tout simplement pas à votre stratégie. Voilà, votre plan de sortie doit dépendre de à partir de quand vous avez investi, quel capital vous avez investi, quel montant, voilà, quel est votre contexte personnel. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte qui font que chaque personne doit avoir une stratégie de sortie différente. Mais donc voilà, en tout cas, non, très bon portefeuille. Et donc voilà, si toi aussi tu veux participer à cette série, tu as le lien Google Form en description. Je te remercie en tout cas Thomas d'avoir partagé ton profil qui est très intéressant, très pertinent. Voilà, très bon portefeuille. J'ai hâte de voir le profil de nouveaux abonnés, le portefeuille de nouveaux abonnés. En tout cas, je trouve que cette série est vraiment formatrice et qu'elle peut nous aider à chacun d'entre nous d'avoir une idée du portefeuille idéal pour ce bullrun 2024 qui ne devrait plus tarder à arriver, du moins je l'espère. N'hésite pas à lâcher en tout cas ton plus gros pouce bleu, tu as le questionnaire en description si tu veux participer à cette série. N'hésite pas à poser des questions en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Voilà, j'espère te revoir pour une prochaine vidéo. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, c'était Mathias.